Alors, donc, vous êtes enseignante. Oui, je suis enseignante de l'Emina Sophie. Donc, je suis venue donc accompagner mes élèves ce soir. Ce sont des élèves qui participent à un programme particulier, des élèves de première et de terminale PAC Pro, qui, dans leur projet d'avenir, leur projet professionnel, devraient intégrer un BTS prochainement. Cette année pour certains, l'année prochaine pour d'autres. Et dans le cadre de ce programme particulier, on les prépare à leur entrée en BTS, on les prépare à devenir des étudiants. Ils ont donc un module culture générale qui fait qu'on vient régulièrement à la cinéma. Mais cette année, c'est la première année qu'on participe donc aux rencontres cinéma martinique. Et pour la soirée d'ouverture, c'était vraiment très sympathique. Et du coup, on a prévu de les ramener au cours de la semaine pour pouvoir visionner des films dans les différentes salles qui sont l'université fait. Donc, on a pensé à Sprinter déjà dans un premier temps, et puis très certainement Mirai qui a eu beaucoup d'écho, donc ce sera très certainement ça pour l'instant. Alors, mon prénom Vaillant Fabrice, nom d'artiste Flex. Mon activité principalement, c'est la danse hip-hop, donc professeur de danse hip-hop. Et je suis aussi danseur professionnel dans une compagnie qui s'appelle le GEDC, c'est la compagnie Christian Emmanuel. La prestation, alors. Comment je l'ai vécu? On l'a bien vécu, c'était positif. Bon, à part peut-être quelques petits couacs au début lors des répètes, par rapport à la mise en place des lumières, le timing. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien. Il faut savoir que les Ions ont été mes premiers, on va dire, élèves en tant que danse hip-hop. Donc, je leur ai inculqué un peu la danse hip-hop et puis ils ont évolué dans ça. Et ça fait super plaisir de voir qu'on se regroupe sur un projet, qu'on fait appel à nous sur un projet et qu'on travaille en commun sur un truc. Et chaque personne travaille de son côté, mais quand il faut mettre une synergie ensemble, on vient et puis on fait le taf. Alors mes projets là, demain j'ai un battle, j'organise un battle pour enfants, donc c'est une sortie d'atelier, hein, c'est un petit battle d'exhibition, c'est pour montrer aux parents, aux enfants comment se déroule aussi une manifestation hip-hop avec le mode des battles, le MC, le DJ, tout ça, donc voilà. Et prochain projet, bon j'ai d'autres trucs en Guadeloupe, sur la Caraïbe, des battles à juger, des stages à donner. Et plus concrètement, c'est de faire partir des petits sélectionnés que j'ai eu sur un concours régional, dont 7, mais il y en aura 5 qui partent sur Valenciennes pour préparer le CND national. Alors donc, le voilà. CND, c'est quoi? Le CND, c'est le Centre National de Danse. Donc c'est une sorte de structure qui fait des stages, qui fait des rencontres et qui fait aussi un concours, le concours CND. Qui permet à plusieurs régions, Paris, Valenciennes, Lyon, sur des écoles de danse, à concourir en fait, sur des chorégraphies montées, bien sûr de la création, qui sont notées par un jury professionnel. Et les meilleurs sont sélectionnés pour représenter en fait leur région aux nationaux. Donc voilà. Donc là, on a eu sept prix nationaux, accès nationaux, et sept prix accès nationaux. Pour Valenciennes, donc ça veut dire qu'on a 7 enfants de différents âges, donc de 9 à 15 ans, le plus grand à 15 ans, sur des solos, sur des duos et des imposés avec des catégories en hip-hop qui partiront, coûte que coûte, qui partiront en France pour représenter la Martinique, Martinique à Valenciennes.
quand même. Are you coming back with me?